Os, mon moniteur est marotte. Mes assistants aujourd'hui sont terminés de marotte. Os. En gâchette. Os. Le mot os que vous nous entendez émettre et dire, c'est un mot japonais, onegai shimatsu, qui veut dire des tas de choses. Ça veut dire bonjour, ça veut dire bonsoir, ça veut dire aussi par-dessus tout qu'on relève le défi. Quoi qu'on demande de faire, on va faire son maximum. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un art martial qui s'appelle Aikido. Aikido se fait, c'est un mot qui comporte trois mots en fait, Ai, Ki et Do. Ai voulant dire harmonie, union avec, Ki, énergie, Do étant la voix. Nous autres Aikidoka, ce qu'on recherche en pratiquant l'Aikido, c'est de chercher cette harmonie avec soi, avec l'autre et avec le reste. Aujourd'hui, on vous propose une technique d'attaque, un coup de poing au plexus solaire. En japonais, ça s'appelle Tsuki, coup de poing. Mais le coup de poing lui-même, en bougeant en avant, en même bras, Oizuki, coup de poing poursuite. La défense se fera en côté gâchi, avec tordre le poignet vers l'extérieur. On va vous poser deux mouvements, interne et externe. Termine, s'il te plaît. D'abord, une démonstration du coup de poing lui-même, sans défense. Pas mal. C'est encore. Là, c'est mieux. J'ai senti. Ok, maintenant, ça demande une défense. Vous êtes d'accord? Ok. Alors, mouvement en évitant le coup, sortir vers l'extérieur. En guidant le coup. Prolonger l'attaque dans la direction de la frappe. Ne surtout pas relever le bras pour faire la personne reprendre son équilibre, mais garder en extension, possibilité de rentrer en avant, qu'on choisit, tordre le poignet vers le bas, faire la chuter vers le bas, le retourner sur son ventre, et de là, d'abord, une immobilisation debout, avec les deux genoux rapprochés, le coude appuyé vers la tête, déjà, si elle frappe au sol, ça veut dire que ça fait mal. Okay, on ne va pas au-delà de la douleur, pression sur le poignet vers la tête, descendre au sol avec le genou sous l'aisselle d'abord, l'autre genou ensuite, prendre le poignet, ramener dans le creux du coude, bien ouvrir les doigts, bloquer le bras. L'autre bras qui est libre, passe en dessous, tension vers la tête, que l'adversaire laisse savoir toujours que ça fait mal, ramener le bras dans le dos, repousser bien le coude vers l'avant et dégagement sur le côté. Le mouvement en entier, attaque. Deux mots. Merci. Armand, si tu peux prendre ma place, s'il te plaît. Attaque et défense. Salut-vous. Armand, Kamaï gauche. Tamim, Kamaï droite. Kamaï, ça veut dire position de combat. Armand va venir frapper coup de poing en poursuite. Tamim va se défendre. Côté gâchi. Hajime. Immobilisation debout. Dans le creux du coude, bras interne. Dégager sur le côté et recommencer. Armand attaquant toujours, toujours Kamaï gauche, termine Kamaï droite. Hajime. C'est bien. On reste en contact. Toujours. Pas se presser. Une troisième et dernière fois. Kamaï gauche Armand, Kamaï droite termine. Prêt. Hajime. On a évité les E. Rappelez-vous que l'aïkido se veut toujours fluide,
Tout le temps en mouvement. On a changé de camail. Position de combat, cette fois-ci, armant, camail droite, camail gauche. Prêt. Ajume. C'est bien. Bras dans le dos, dégage sur le côté. Encore une fois. Ok, en face de l'autre. Camail droite, armant. Ok, prêt. Ajume. Le creux du coude, le genou au sol. Oui. C'est bien. En face l'un de l'autre. Troisième attaque, fini. Ajume. Yamé, saluez-vous, remerciez-vous. Changement de rôle, cette fois-ci, Tamine va attaquer, Amon va se défendre, ok? Amon, camail gauche. Tamine, camail gauche aussi. Ok, frappez du bras droit. Prêt. Allez, ajume. Tour. Immobilisation debout. Amenez au sol. Chaîne. C'est bien. Terminé. Rappelez-vous que les camails peuvent aussi varier. Ok, right. Alors, camail gauche, Tamine pour attaquer. Cette fois-ci, camail droite, armant pour se défendre, s'il te plaît. Ok, Chudan. Ajume. Les camails sont des positions de combat. On peut le faire à gauche, on peut le faire à droite. Gyaku, opposé, ou même côté. Une troisième et dernière fois. Termine attaquant toujours. Armant se défendant. Ajume. Changement de camail. Termine toujours attaquant. Camail droite, armant, camail gauche. Frappez du bras gauche. Ajume. C'est bien. Toujours en mouvement, toujours fluide, pas de mouvement saccade. C'est bien. Une deuxième fois. Camail droite termine, camail gauche armant, prêt, ajume. Le creux du coude à l'intérieur du corps, oui. C'est bien. Troisième et dernière fois. Même camail. Prêt. Ajume. Pas de mouvement précipité. Toujours relax. C'est bien. Faites-vous face. Saluez-vous, remerciez-vous. Merci. Tamine, je peux me servir de toi, s'il te plaît. Ok, on a démontré la sortie, cette fois-ci, interne. La sortie externe, cette fois-ci, ok. En position de combat, camarade gauche, s'il te plaît. Cette fois-ci, toujours sortir vers l'extérieur. Itch. Évitez le coup. Au lieu de revenir sur ses pas, on va continuer en arrière. Amener l'adversaire. Regarde, il suffit seulement de deux doigts, du pouce et de l'index, pour tordre le poignet. Ok, maintenant, au lieu de faire les deux doigts seulement, on prend tous les doigts. La main qui reste, décide. Je veux que tu ailles là. Je veux que tu ailles ici. C'est moi qui décide. Ok. On continue en arrière. Amener au sol. Ok. En tournant le bras, on fait l'adversaire se tourner sur son ventre. Ok. Donc, immobilisation debout, comme on a fait dans le cas précédent. Descendre genoux sous l'aisselle,
genou à l'extérieur, le dos de la main dans le creux du coude, l'autre bras en dessous, tension, pliez le bras dans le dos, amenez au sol et dégagez. Ce qu'il ne faut pas faire surtout quand on amène la personne au sol, c'est de passer au-dessus de son corps et faire le tour et l'amener sur le ventre. On est d'accord? Mouvement entier termine. Debout. Merci. À ma place, s'il te plaît. En m'attaquant, termine se défendant. Kamae gauche avant, kamae droite termine. Ok. Tsuki, coup de poing, poursuite. Chudan. Ok. Côté gâchi. À l'arrière cette fois-ci. Hajime. C'est bien. Oui. Terminez en dégageant sur le côté. Restez toujours. Toujours en éveil. Deuxième fois, kamae gauche termine, kamae droite. Ok, allez, prêt. Kamae droite termine, s'il te plaît. Kamae gauche avant. Hajime. Allez, en arrière. Gardez toujours l'adversaire sous son contrôle. Troisième et dernière fois. Kamae droite termine, kamae gauche avant. Prêt. Hajime. Ok. Finition au sol. C'est bien. Changement de kamae. En main kamae droite cette fois-ci. Frappant du point gauche. Termine. C'est bien. Coup de poing pour suite. Hajime. Oui. Gardez l'adversaire toujours étendu, ne pas soulever les bras. C'est bien. Deuxième fois. Voilà, à la maison, si vous n'avez pas eu le mouvement au premier coup, cette fois-ci, deuxième fois, essayez de comprendre plus. Attaque, adjumé. Troisième et dernière fois, en m'attaquant toujours, termine se défendant, et Hajime. Rappelez-vous, là, dans les deux sens, ça travaille. Hein. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous faites celui qui vient le premier, d'accord? Changement de rôle. Cette fois-ci, termine va attaquer. Armand va se défendre. Armand, position, s'il te plaît. Termine, kamae gauche. Chudan. Hajime. Sortie externe. Vous voyez. Suivre. C'est bien. Super. Deuxième fois. Toujours. Kamae gauche termine, kamae droite avant, Hajime. Deuxième et troisième fois. Terminant kamae gauche, avant kamae droite, Hajime.
voulez imaginer que vous avez plus qu'un seul adversaire, d'accord? L'endroit est toujours restreint. Vous êtes dans une salle avec des chaises, des tables autour de vous. Ok, terminez attaquant toujours. Changement de camarade cette fois-ci. Termine camarade droite, armement camarade gauche. Adjumé. Enchaînement. C'est bien. Deuxième fois. À chaque fois qu'on fait, on essaie d'améliorer à chaque fois, d'accord? Deux. Prêt. Adjumé. Troisième et dernière fois. Prêt. Adjumé. C'est bien. Faites-vous face. Saluez-vous, remerciez-vous. Super. Vous voulez vous placer, s'il vous plaît. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. On espère que chez vous, vous avez pu suivre ces techniques. Rappelez-vous, il n'y a rien qui puisse remplacer un professeur. Okay? Les émissions qu'on vous propose à la télévision ici, c'est bien de les mettre en pratique, mais rappelez-vous, il y a toujours moyen de se blesser. Si vous voyez Tamine et Armand évoluer comme ils le font, c'est parce qu'ils se sont entraînés. C'est pour ça qu'ils arrivent à se contrôler. Mais vous, chez vous, faites attention parce qu'un accident est vite arrivé. Rappelez-vous que l'art de se défendre, c'est de ne jamais se mettre dans une situation où on a besoin de se défendre. Passez une bonne soirée, bonne journée à vous, à la prochaine. Os! Domo! Merci.